Ah, il est concentré là. Quoi ? J'invite à passer par la porte là-bas pour. C'est parti, bonne course, messieurs. Allez, go ! Allez, Pupus ! Il faut que... Viens qu'on se soucie vite. C'est le début, là. Ouais, ça va. J'en chie un peu, là, mais bon. Je pense qu'on doit être au dixième. Ah, c'est vrai que c'est recours en fait. C'est non, je suis même pas. Ah, c'est. C'est grand, hein. Bonne mise en jambe. Bonne mise en jambe, hein. On est bien là. On est pas mal. Voilà, le jour se lève. Très sympa là. Petite levée. Levée de jour là. Bon, les chemins étaient bien gras. Yes. Bon, on est sur le... entre Dunes et Bouchot. Donc c'est un trail de 72 km. L'ultra à Ilion. Voilà, la Côte d'Armor. Non loin de la Côte d'Émeraude. Ouais, c'est un trail que je partage avec Christophe, Aurel et Jean-Luc. Voilà, 72 km. Plusieurs courses, à 40, Laurence qui est dessus, à 23, Pascal et les autres amis. Voilà, plusieurs parcours. Sentier du GR34. Bon, revenir en Bretagne, toujours un plaisir. Ouais, pour moi, tout a commencé ici, en 2011. De Ménestreil. Alors, donc aujourd'hui c'est un profil plus roulant avec peu de dénivelé mais beaucoup de casse-pattes, donc c'est toujours intéressant de voir comment on peut encaisser ce genre de profil. Bon, c'est cool, déjà il pleut pas. Il pleuvait ce matin au départ et ils annoncent soleil. Ciao. Hashtag Pupus. Pupus, il est derrière. Il vient de doubler. Dans le gras. Il avait perdu ses deux chaussures. Non, c'est un passage compliqué là. Un petit peu de gras. Voilà, c'est super sympa là. On longe un bras de mer. Bon, c'est un trail, on est. Je crois qu'on est que 110, 115, 115 concurrents. Donc c'est très bien. Voilà, donc là on est tout seul. Peu de monde sur les sentiers. Bon, on retrouvera les autres concurrents plus tard, les autres distances. Mais là c'est pur bonheur, ce petit sentier. Levé de jour. Thank you.
Comment ça va, Jean-Luc? Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, c'est une mise en jambe. A vu plus. Nickel. Ouais, moi, à part la gaufre, ça va. Ah, il s'est pris une petite gaufre. Ah, c'est Aurel qui va arriver là? Ouais, ouais, sans doute. Ah, il était loin, il est piqué dedans. Aurel. Voilà. C'est mal au bide, mais à part ça. Ouais. Ah non, je vois rien. Hey, c'est moi Nico. J'en chie. En kilomètre. Kilomètre 20. Bon, on va changer d'un peu, quitter la veste de pluie, lever de soleil. Je suis reparti avec les gars là. Voilà. Bon bah c'est cool. C'est cool, on aura plus de pluie déjà. Et petit passage un peu gras quand même. Hein. Voilà. Mais bon. Faut courir pour pas avoir froid. Voilà le genre de chantier qu'on a depuis tout à l'heure là. La boue. On s'enfonce grave. Oh le chantier. Bon bah. Ça sert à rien de changer de chaussettes à l'Oravito. Hein. Pareil que la boue bretonne, c'est bon pour les pieds. De toute façon, faire un trail en Bretagne sans boue, hein, je connais pas. On se prend un petit grain là, un petit grain breton pour la peau. Pareil que c'est bon. Voilà, un petit peu de grêle. C'est vivifiant. Ah, allez toi. Nickel. Nickel. Et ta pose c'était active. Non, je dis c'est la petite pause gâteau, cookie. Super. Merci beaucoup, j'ai testé ça. Ouais, teste ça. C'est...
à kilomètre 30. Ah, le grain est passé là. Le ciel se dégage. Voilà. On va essayer d'or. Bon, là c'est pas très intéressant. Bon. En fait, on longe pas vraiment le GR34, c'est on le prend. Ah, pas sympa. Ah bah je crois qu'on va maintenant faire le retour sur le GR34. Le P9 Saint-André là-bas. Voilà, donc là ça va être beaucoup plus intéressant si on longe le GR. Très joli. Et s'il fait beau. Oh, kilomètre 35. Ou à peine. Soyez est... assumé. Hein? Le meilleur est à venir. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Tu aimes les côtes de bœuf? Je vais te servir. Avec quoi? GR34 dans toute sa splendeur. C'est bien, vous avez mis le tapis. Voilà. Je sais pas si t'as vu les dernières Salomon. Mais il y a trop de prix sur la marchandise. Ouais, c'est clair. Ah bah tu vois, il est là. J'avais pas rêvé. À kilomètre 40. Ah, j'étais avec un petit groupe sympa là. Là on suit depuis quelques kilomètres. Donc on est toujours sur le GR34 avec du up and down incessant. Ouais, c'est pas pour me déplaire. Voilà, donc là on va rentrer un peu dans les terres, on va longer un bras de mer là qui rentre sur 5-6 km dans les terres pour revenir en face. Après je pense là-bas on va revenir de l'autre côté là. Voilà. Donc c'est cool. C'est cool, les sensations sont bonnes. Le temps est parfait. Que du bonheur. Kilomètre 45. Je viens de repartir du deuxième ravito. Voilà, ça fait. Voilà, ça fait 5 heures de course. Ah, tranquille.
Tranquille, tranquille, j'espère rattraper Laurence. On finisse ensemble, ce serait pas mal. Kilomètre 50. C'est bras de mer là, c'est interminable. Plusieurs kilomètres qu'on longe. On rentre dans les terres là. Bon, 50 bornes, ça commence à tirer un peu, ouais. C'est normal. Kilomètre 60. Ah, pas mécontent de retrouver la mer. Ah, c'est cool. Partie, c'est marée basse, la baie là est complètement dégagée avec contraste de couleur super sympa. On lui reste 6 km. En kilomètre 70, ça sent la fin. On va allonger encore un peu la côte là. Donc pas facile, hein. Quand même, hein. Quand même pas mal courir, parcours assez cassant. Bon, très joli par contre, très très joli, je suis agréablement surpris, content de ce trail. La météo était bonne, petite averse, mais ça c'est normal, on est en Bretagne. Voilà, la fin, bifurcation à gauche, on va quitter la mer. On va arriver à Lyon. Je suis super fier de toi. Je suis super fier de toi. Je suis super fier de toi. Je vais te calmer.